Je m'appelle André Valadier. Je suis né dans ce pays d'Aubrac et toute mon action, mes engagements ont été en quelque sorte un peu un rebond sur une terre à laquelle je suis attaché parce que je tenais beaucoup à ce qu'elle puisse rester ce qu'elle avait toujours été, c'est-à-dire une terre de ressources. Le massif de l'Aubrac, c'est un pays d'altitude et un pays d'herbe. La ressource, autant que je me souvienne, partait de l'herbe. Mais l'herbe toute seule, ça ne va pas bien loin. C'est le troupeau qui donnait à la fois la valeur et les plus-values. Je me souviens de la période où le territoire fonctionnait sur une autonomie presque totale. On disait, ici on n'achète que les fers et le sel. Les fers pour faire les bœufs, le sel pour le bétail, la nourriture. Je crois qu'on peut dire que les générations qui nous avaient précédés avait su extraire de ce territoire tout son potentiel. Les évolutions et les mutations qui se sont engagées à un moment donné ont pratiquement démanteler tout cet ensemble. On s'est engagé à mettre en place les systèmes considérés comme étant les plus productifs, autant sur la filière carnée que sur la filière laitière. Alors, bien sûr, on a invoqué notre capacité à calculer les rations en fonction des potentiels et on s'est aperçu très vite que ça nous conduisait vers une dépendance de plus en plus accentuée d'approvisionnement extérieur. Et que pratiquement l'herbe locale, nos fourrages, devenaient tout à fait subsidiaires. Et ça, je dois le dire, et notamment au niveau de la filière laitière, on a été induit en erreur parce qu'on avait cru comprendre qu'une vache laitière qui n'exprimait pas son potentiel avait moins de lait donc, mais elle avait un lait de meilleure qualité. Et c'est toujours le contraire. Et c'est là qu'on a compris que malgré tout, il y avait des conditions particulières liées au climat, à la nature du sol, à l'altitude. Et au bout d'un certain moment, on a dit, mais ce qu'on s'était permis d'escompter ne se réalise pas. On n'est sans doute pas sur la voie qui correspond à notre vocation. Il en est encore temps. Il faut retrouver de la cohérence entre le cheptel et le milieu naturel. Une cohérence qui, quelque part, permet un territoire de rester fécond. Eh bien, il faut bien identifier et bien prendre en compte les caractéristiques qui lui sont propres et puis veiller à ce que les conditions soient remplies pour ce qui est de la mise en valeur. C'est ce qu'on appelle la vocation d'un territoire. Il a bien fallu 20 ans pour retrouver des démarches organisées, basées sur une solidarité active de producteurs laitiers qui ont dit « ben, on a quand même quelques produits qui ont une certaine réputation.
ils ont encore, semble-t-il, quelques attractivités. Il faut essayer de continuer. Puis la coopérative, la collecte, etc. Et pour la race droite, pendant un temps, race en voie de disparition. Parce que tous les grands systèmes faisaient ressortir que l'avenir en matière d'élevage reposait sur des races très spécialisées. Le rebond est parti d'un groupe d'éleveurs situés sur le massif de l'Aubrac, les uns de la Lozère, les autres du Cantal, les autres d'Aveyron, qui ont dit ben, « il faut qu'on revienne un peu à notre race patrimoniale, il faut accepter de peut-être la gérer autrement que cela n'a été jusqu'à aujourd'hui. » Il y a eu des projets qui ont repris, ou l'esprit de projet a repris plus exactement, avec le retour à un peu à des éléments de notre patrimoine. Et aujourd'hui, avec le recul, je pourrais presque dire de toute une vie d'homme, eh bien, je me permets d'affirmer que le patrimoine ne nous a pas trahis. La prairie naturelle, c'est un peu comme la forêt. Ce sont pas des arbres, ce sont des plantes qui sont là, enracinées. Il n'y a pas d'ensemencement autre que l'ensemencement naturel qui est diffusé par le vent ou par les insectes, par les abeilles, par les oiseaux. Le tissu végétal est en place, il fonctionne exactement comme la forêt. Dans son milieu, elle est là, printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et la nature du sol est déterminante par rapport à la prairie naturelle. Tous les sols ne sont pas aptes à générer une flore aussi variée. Les éleveurs qui le suivent de près vous diraient une flore appétante. La caractéristique, c'est qu'ici, et c'est vrai pour l'ensemble du Massif central, hein, la fertilité des sols de basalte est connue et reconnue. Maintenant, ce n'est pas une fertilité qui s'exprime par des hauts rendements. Mais par contre, elle peut s'exprimer de façon spécifique et positive par une flore particulière. Et il faut savoir que la multitude des plantes qui aujourd'hui sont répertoriées est une des plus importantes de l'Europe. Et l'Aubrac, à certains moments, est parfaitement représentatif de ce qu'on pourrait considérer comme une mer d'herbes naturelles avec des effets du vent qui jouent comme sur les flots. Et c'est la ressource ici, c'est la ressource. La prairie naturelle est la ressource naturelle par excellence, c'est la ressource dominante parce que c'est elle qui porte le troupeau avec toutes ses déclinaisons. Amun amun sur la montagne, al miede cada postura. Dans l'herbe espèce et la ginson, trouverez une trace d'usta. Le cantaouès, la bédélie, au maillou pastré. Ibutou des crânes à hut, aïe qui la benne, nostre mazut. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on a craint que quand avait cessé cette pratique de pastoralisme intégral liée au troupeau sur la pâture avec la traite organisée sur place. Les bonnes pratiques voulaient que le parc, tous les 3 ans, couvre la parcelle. Eh bien, on a craint, quand cette pratique a cessé, on a dit mais les belles pâtures de l'Aubrac vont disparaître parce qu'il n'y a plus
cette opération qui entretenait. Mais en réalité, on s'aperçoit que bientôt 50 ans après l'abandon du parc, eh bien, cette flore très spécifique est toujours là. On pense que donc il y a eu une espèce de capitalisation au niveau de la terre elle-même, du sous-sol. Maintenant, le troupeau est toujours là et il délaisse bien ses déjections fertilisantes. Il les y laisse, mais c'est un peu un ordre dispersé, alors qu'avant c'était concentré et piétiné. Donc, le pastoralisme, en l'occurrence, a été d'un apport extrêmement marquant par rapport à la vocation de ce territoire. Et la vocation d'un territoire, c'est un peu comme je le dis souvent, le terroir. On a quelquefois eu la tentation de considérer que les terroirs étaient définis une fois pour toutes à partir de quelques caractéristiques culturelles, architecture, historique, etc. Non, la notoriété d'un terroir est toujours issue de la notoriété d'un produit, d'un objet, d'une race animale, donc de l'action des hommes et des femmes, des acteurs du territoire. Bon, je crois de rappeler que la ressource durable d'un territoire repose sur ces trois éléments qui consistent à sauvegarder, à mettre en valeur et à partager. Alors, cette démarche vous fait obligation d'être à l'écoute du consommateur, de la société, du commerce. Et il ne faut pas de confusion. Le court terme, il faut le prendre en compte. Mais il ne faut pas qu'il écrase le moyen et long terme. Il y a des valeurs immatérielles qu'il faut inclure, qu'il faut s'efforcer d'obtenir. Et ces éléments de valeurs immatérielles reposent sur du sensoriel, de l'émotionnel, du culturel et de l'esthétique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une évolution de partenariat réel entre les éleveurs et les gens qui viennent de l'extérieur et les touristes. On a fait la maison de l'Aubrac pour marquer une volonté d'ouverture et de partage du territoire. Dans la demande prioritaire qui s'exprime aujourd'hui, ce qui est demandé par la plupart, c'est de pouvoir disposer de circuits où on voit des vaches au pâturage. On n'aurait jamais imaginé, il y a quelques années, que telle serait la demande prioritaire. Et puis, il y a aussi cet intérêt porté par des touristes, des consommateurs, au fonctionnement de l'élevage, de l'agriculture. Il n'y a jamais eu autant de fermes qui reçoivent des visiteurs. Et cet échange, à mon avis, est bon. À mon avis, est bon et je suis reconnaissant à mes collègues éleveurs qui ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à cette troisième notion qui était de partager le territoire. Par rapport à des territoires qu'on aurait pu considérer défavorisés une fois pour toutes, les parcs naturels ont l'avantage de s'installer ou de rassembler avec pour premier effet celui qu'on obtient d'un décloisonnement et on obtient aussi une articulation entre tous les acteurs du territoire. Cette pratique qui remet l'acteur, qu'est l'éleveur, en prise directe avec les éléments qui gravitent autour de lui,
le sol, l'air, le climat, la flore, la biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, je crois que l'agropastoralisme, activité d'élevage, eh bien, tel qu'il est pratiqué, hein, je dis bien tel qu'il est pratiqué sur le massif, permet de dire que agroéconomie et agroécologie sont compatibles, voire complémentaires. Et tout le monde l'a tourné, on l'a fait payer des nous. Qu'à du plégat d'insoflessade, nous hommes barres ou nous ulios. Quand d'in la nuit, tu peux fondis clène, la cantalaison. D'orel ou par guéris conduite, c'est une duerre l'autre, pelle d'elmozuc.